pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour continuer l'événement sculpture. Attendez, je vais atterrir. Voilà, comment ça s'appelle? Sculpture d'innocence. Oui, du coup, cette fois-ci, on va finir l'événement. Enfin, truc de fou. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos. Ah, quand même, hein. Quand même 8 vidéos. Même ça dure pas si longtemps que ça. Mais c'est quand même beaucoup 8 vidéos. Les photos, voilà, faut finir les photos pour pouvoir acheter les sculptures ici. Voilà, les sculptures du shop. Je sais pas si vous êtes obligé de toutes les acheter, mais si vous finissez toutes les photos, tout, et bah vous pourrez les acheter. Mais je sais que par exemple, il y a une photo qu'on est obligé de faire après avoir fait la quête monde Araniaka. Je sais pas si faut faire toute la quête monde, je pense pas, parce que la quête monde Araniaka est hyper longue. Je pense que c'est la quête, et quand je dis quête, c'est vraiment quête, genre dans toutes les quêtes du jeu, la plus longue du jeu. Mais moi personnellement, bah j'ai fini, de toute façon les vidéos sont sur la chaîne, bah pas encore tout parce qu'il y a beaucoup de vidéos, elle était super longue. Mais moi c'est une quête que j'ai adoré, c'est ma quête mon préférée, elle est excellente. C'est peut-être long, mais ça finit tellement bien, c'est tellement trop bien, j'ai adoré, c'est trop bien. En plus c'est long mais pas ch... Bon, il y a des moments un peu chiants parce qu'on est quand même dans Genshin. C'est comme dans Pokémon, ça peut être cool. Mais à un moment, tu vas faire quoi pour spammer. Mais c'est super bien. Voilà. Mais du coup, ça peut être long. Mais je sais pas s'il faut tout faire. Mais au moins, il faudra au moins avancer dans sa quête un minimum pour tout avoir. Mais je pense pas qu'il est obligé de tout acheter. Voilà, pour les petits chapeaux comme ça, des Aranara. Et du coup, pour prendre la photo des Aranara. Et du coup, maintenant, on va parler à Faiez. Non, on va aller là. En fait, il faut qu'on fasse ça et genre assigner une figure 1. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Merci la. Oh, attends, arrête mon stick. Que lui il est beau. La tête. Non, arrête. Ouais. Ah, oh, j'aime bien ça. Le chapeau. Oh, non. Ça c'est plutôt doré ça. Ça fait genre dodoco un peu. Ok. J'ai envie de prendre ce chapeau là, je pense. Ah, chapeau style Mona là. Il n'y a pas tous les. On voit pas en gros ce qu'il y a écrit. Fais voir. De divinateur. Ouais, voilà, c'est ça. Et genre, ça c'est quoi ça? Attends. Voir le nom du truc un peu kiki. Même à gauche, c'est Sayu. De flemmard. Ah ouais, d'accord. De bourlingueur. Ok. Et là, c'est de marchand. Ok. L'écharpe. Oh, ok. Et les yeux. Non. Si je peux ne pas mettre yeux, est-ce que j'ai le droit? Alors là, je peux enregistrer. Ok, confirmé, imagine, du coup je peux faire retour. Du coup il est là. Est-ce que là du coup ça l'a compté dans l'event par hasard? Pas de petit i là. Ah non, entière. Faut que ce soit entière. Ok, bon, on va rajouter des yeux, c'est pas grave. Bon, on fera après. Déjà là on va faire un truc qui est style un peu dory. Ok, on va prendre ça, prendre un petit. Okay. Non mais oh, arrêtez. Désolé, mon stick qui bug. J'aime bien sourire là. Je fais que de le prendre, mais je l'aime bien. Voilà, on prend ça, la petite écharpe celle-là, assez légère, ça va bien avec. Avec genre ah, ces yeux là. Regarde-moi ça. Ça, ces yeux, ça respire l'argent. Ok. Du coup, enregistrer. Ok, nickel. Ça, c'est bon. 1. Attends, faut en faire 6 quand même. Attends, le 4 avant. Allez, on va faire un genre style Sayu. Prends ça. La tête. Non. Allez, on va. Mais arrêtez. Ouais, petite écharpe comme ça, ça va bien. Il est un super héros. Oh, elle est énervée là.
Ah, les yeux, compliqués, hein. Bon, ça fait tout sauf Sayu, mais ça fait Sayu quand même. Ok. Au moins, on peut tout refaire en double, en triple et tout. Mais bon, c'est pas compliqué, hein. En vrai, de toute façon, en soi, on peut faire juste des trucs au pif. On va prendre ça. Là, on va faire un bel ancêtre, genre avec une petite moumou. Un chapeau comme ça. Genre, tu dates, frère. Non, une écharpe. Ouais, j'ai envie de prendre cette écharpe-là, moi. Avec les yeux. Énervé quand même. Hein. Oh, là, ça fait bien papy, ça. Ok. Là, ça rend bien. Ouais. Et la dernière. On peut pas en prendre plus? Du coup, si je vais dans les événements, c'est bon? Oh, plutôt rapide, hein. Du coup, genre là, c'est fini. Ah non, 3 sur 4. Bah. Il y en a une que j'ai pas fait entièrement. Ah oui, c'est celle-ci. Assemblée. Du coup, on va rajouter des yeux. Voilà, on va mettre ça. Et bah, puis voilà, on aura fini cet événement. Ce petit truc de l'événement. Bah, en vrai, au moins, c'est rapide, facile et efficace. C'est vraiment pas dur. Tous les composants, on va pouvoir les mettre dans la théière si on veut. Du coup, je pense qu'on pourra faire ça dans la théière aussi, faire les aranara qu'on veut. Moi, j'aime bien, mais du calme. Voilà tout ce que j'ai gagné à gauche. Du calme, toi. Ah, rigoler comme ça, regarde là. Elle est en train de utiliser le ton qu'elle a tué pour défoncer les mobs. Mais ouais, mais en vrai, c'est bien. En vrai, ça va bien. Hein. Regarde, il y a elle, genre derrière, qui fait la magie. Elle, avant ça, qui est derrière le comptoir. Là, il y a un peu les deux vieillards là. Genre, toi, t'as le petit qui fait que dormir le vieillard sur la feuille. Là, d'autres, on peut pas mettre un 16e. Moi, je trouve ça super débile. Genre, tu fais 6 emplacements. Mais tu peux pas en avoir 6, c'est quoi là? Attendez, j'avais pas passé. Ah, ça, c'est 3? Ah, d'accord. En vrai, peut-être qu'on peut faire une belle image. Genre, ça peut faire une miniature. Genre, t'arrives là. Photo. T'es qui toi? Ta gueule. Dissimulé. Ah oui, non, par contre. Voilà. Dissimule. Et hop là, une petite photo. Cheese. Voilà. Mais bon, ça fera peut-être la miniature. Mais bon. Pas d'effort sur le dernier. En vrai, c'est sympa. Peut-être qu'on va s'amuser à faire ça. Mais pas d'effort. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? C'est lui, on va en profiter. Ok, ça. Ah, c'est la boutique de l'événement. Ok, bon, on va tout acheter. Et puis, bah, on va s'arrêter là. La vidéo, elle aurait été plus rapide. Bon, j'ai pris un peu de temps pour un peu rallonger tout ça. Mais bon, c'était un peu rapide. Du coup, bah, je sais pas. Ok. Ouais, vraiment, la dernière phase, ils ont pas fait trop d'efforts, je trouve. En vrai. Qu'il n'y a pas eu d'après, j'aurais bien voulu genre parler avec un gosse. Waouh, c'est trop bien ce que tu fais. Ou avoir un petit concours. Ou... Je sais pas. Mais là, on met juste ça comme ça. Et en vrai, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like ou l'abonnement, ça fera très plaisir. Le dislike si vous n'avez pas aimé. Je suis actuellement là sur Twitch quand je fais cette vidéo. Donc, si jamais tu veux me suivre, papoter avec moi, jouer ensemble, ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Le lien est en description. Si vous avez une question, une suggestion, une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Me dire ce que vous avez pensé de l'événement en général. Moi, je vous ai déjà dit ce que j'ai pensé de l'événement dans la précédente vidéo, quand on avait fini les ronces dans la forêt, avec les épreuves machin élémentaire face aux éléments. Voilà, je vous dis ce que j'en ai pensé. Du coup, je vais pas me répéter parce que là, je viens de le faire et. C'est bon. Hein? Comment c'est bon? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser. En gros, j'ai trouvé l'événement vraiment trop bien. De tout, assez rapide et efficace. C'était pas chiant, c'était sympa à faire. En plus, ce que j'aime bien, c'est que du coup, l'événement, genre, on tue beaucoup de mobs. En fait, on se balade dans la carte, du coup, on peut.
Si par exemple vous n'avez pas encore fait la quête monde ou avancé dans la quête monde qui nous qui fait débloquer et quasiment tous les TP de la carte, mais énormément de TP et de statues et de donjons et de coffres, du coup si vous prenez sur le chemin et les Dendroculus et tous les trucs sur le chemin, genre on fait plein de trucs sur le chemin avec la. En fait on va, en fait on va dans tous les endroits de la carte et je n'abuse pas, on va vraiment dans tous les endroits. Et là, c'est un peu pareil, on va vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits de la carte. Regarde, on est allé là, on est allé là, on est allé là, on est allé là. Ici, il n'y a rien. Ouais, si, il y a un peu ici, entre là. Là, un peu. Après, on était tout là-haut. Ici, on est venu un peu. Il y avait des petites épreuves, je crois. Là, il y a eu des trucs. Ici, il y a eu des choses. Par ici, il y a eu des choses. Je crois que là, il y a eu des petites choses. Donc, en vrai, on a quand même pas mal vu de la carte, en vrai, de vrai. Du coup, c'est cool. Du coup, ça fait bien explorer. Ça nous a fait combattre quasiment tous les mobs de l'endroit. Du coup, au moins, pour ceux qui n'avaient pas pu trop explorer avant, parce que c'était focus sur la quête Archon par exemple, du coup, au moins, ils ont fait l'événement après, et du coup, ils ont pu explorer toute la région, tous les ennemis, et tout en même temps. Et ça, c'est super cool. Du coup, ça fait bien explorer. Ça fait affronter tous les ennemis, et du coup, l'avantage, c'est que du coup, les ennemis, du coup, ils nous donnaient du loot. Du coup, ça a pu faire un début de stock de loot. Pour pouvoir améliorer les prochains persos de Sumeru. Bon là du coup moi je trouve qu'en fait la quête en même en termes d'exploration de Sumeru parce que par rapport à en fait la quête elle arrive au moment où ce que Sumeru arrive et c'est trop bien parce que du coup c'est quand on en a c'est là c'est maintenant qu'on en a besoin, c'est pas à la fin de la mission qu'on en a besoin, c'est maintenant parce que ouais, même si ça prend toute la mage parce que moi ça fait tout faire à Sumeru et ça commence à faire un stock de ressources pour les prochains persos, les plats qu'on pourrait faire, ou les prochains trucs de synthèse, ou je sais pas quoi qu'on peut faire avec tous ces ingrédients. Et c'est vraiment cool, ça j'ai apprécié. Voilà, même si moi j'avais déjà fait la quête monde, du coup j'ai fait pas mal de choses en vrai. Même si apparemment, faire tout ça ne suffit pas à faire 20 pour, à explorer 20% de Sumeru. Apparemment tout ça là, le 49, le 39 c'est pas beaucoup, enfin, 68 quand même, 46 c'est pas beaucoup, 73, 61 quand même, et 66 apparemment tout ça fait même pas 20% de l'exploration de la carte. Alors que ma statue est niveau 2 ou 3, et que à mon arbre, il est niveau 5 ou 6. Pour vous dire, ça apparemment ça suffit pas encore. Mais voilà. Mais du coup c'est quand même cool. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de la quête, de l'événement, de tout ça. Me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en elle-même, ou que vous n'avez pas trouvé ouf. N'hésitez pas. Je prends toutes suggestions pour améliorer les futures vidéos. Voilà. Putain, et on peut monter beaucoup avec ça. Donc, ah oui, des trucs de Raiden. Oh, de Raiden, j'ai dit. Et de Raiden. De la Raiden. On va commencer à monter ça. C'est pas mal. C'est moi, c'était pas toujours les mêmes. C'est moi, c'était pas toujours les mêmes matériaux à monter. Non, ça a changé. Ah, vous pensez qu'on peut utiliser tous les matériaux des régions pour les améliorer, ces trucs à lui? Ah, je m'étais jamais dit ça. Constellation du Viator. C'est quoi le Viator? Viator. Ah. Constellation. Ouais, non, c'est vraiment full Genshin. Osef. Mais voilà, ça. Et si vous avez une question par rapport à Sumeru, au jeu, que ce soit Sumeru ou pas, n'hésitez pas, je vous le commentaire est à votre disposition. Merci beaucoup d'avoir suivi pour cette vidéo. Du coup, j'ai fait un peu à rallonger avec tout le blabla. Puis voilà, du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde. Plus, plus.